Notre nouveau rendez-vous du vendredi, rendez-vous du Shabbat, accueillir le Shabbat en chanson, épisode 10, chant facile niveau 2, Od Yavo Shalom Aleinu. La paix viendra encore sur nous, il n'est pas trop tard. Od Yavo Shalom Aleinu. Encore viendra la paix sur nous. La paix viendra encore pour nous, il n'est pas trop tard. Elle va arriver bientôt, c'est ça que sous-entend ce texte. Od Yavo Shalom Aleinu. Od Yavo Shalom Aleinu. Od, encore, Od. Et la racine, c'est Aïn Vav Dalet. Et la racine est exactement semblable au mot qui est le nôtre et qui ne peut pas se lire autrement que Od, puisque ici, le Vav porte une voyelle, donc c'est forcément un O, à la limite un OU. On n'est pas en train de jouer de la musique avec des OUD, on est en train de prononcer Od, encore. On peut prononcer le Aïn ou pas. Od. Od. Yavo, encore viendra. Yavo. La racine, c'est Bet, Vav, Aleph. Et ici, le Vav est parti. Il est parti en vacances. Il s'explique. Éclipsé. Yavo. Yava. Yavo. Là, il faut peut-être l'apprendre un petit peu quand même. Vous vous souvenez qu'on avait vu Hevenu. Nous vous avons amené. Et on verra également ba, ça veut dire il vient. Mais ici, la forme de la racine qui nous intéresse, c'est yavo, viendra au futur. Shalom. Qu'est-ce qui viendra pour nous? C'est le shalom qui viendra. Shin lamed mem, c'est la racine. Shalom, shalom, évidemment, bien sûr, shalom, la paix. Si c'était la forme construite, ce serait shalom, quelque chose. Par exemple, shalom Israël, ce serait la paix d'Israël. Ici, c'est shalom, la paix, qu'on visualise, qu'on retient, qu'on sait déchiffrer, mais qu'on sait même identifier de façon globale maintenant. Shalom, aleinu. La racine, c'est Aïn Lamed Yud He. Enfin, Yudhé ensemble. Et ici, c'est Aleinu, sur nous, Al, sur nous, nous. Al, nous, Aleinu, Aleinu, sur nous. La paix viendra sur nous, nous ne désespérons pas, mais pas seulement sur nous. Ve'al, kulam, ve'al, Kol ha'olam. Ve'al kulam ha'olam. C'est les trois mots en fait, les trois racines qui sont utilisées, même si ça fait plus de mots que ça. Ce sont les trois seules racines utilisées. Ve'al. Donc on a vu, hein, c'est al, ayn, lamed, yudhe, les trois lettres de la racine, le yud he qui s'en va à al qui veut dire sur et ve al qui veut dire et sur. Comme nous avions vu, aleinu sur nous et également alechem sur eux. Mais ici c'est le ve al qui nous intéresse et vous avez remarqué qu'il apparaît deux fois dans la phrase qui sera la nôtre. Ve al kulam, ve al kol haolam. Ve'al. Ve'al est sur Kulam, tout le monde, tous. Kulam, la racine, c'est Kalal, Kaf, Lamed, Lamed, et ici c'est Kolam, Kol, qui veut dire tout, Kolam, Kulam. Même si vous ne le retenez pas, vous pouvez y arriver en essayant de le deviner. Kulam. Kol, c'est tout. Kulam, c'est eux tous, nous tous. Enfin, nous tous, c'est Kulanu, mais Kulam, ça veut dire tout le monde. Kol, c'est tout. Ici, c'est Kulam.
Et ha olam, la racine c'est ayin lamed mem. Et il y a le he et le vav qui viennent s'intercaler, le he devant l'article défini. Ha olam, ha olam. Ha olam, c'est le monde. Olam, c'est monde. Ha olam, c'est le monde. Od yavo shalom alenu ve'al kulam. Encore viendra la paix sur nous et sur tout le monde. Salam, la paix en arabe. Alenu ve'al kol ha'olam, sur nous et sur le monde entier. Shalom, salam. Od yavo shalom alenu. Od yavo shalom alenu. Od yavo shalom alenu. Ve'al kulam, od yavo shalom aleinu, od yavo shalom aleinu, od yavo shalom aleinu, ve'al kulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam, shalom salam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam, shalom, salam. Bravo, voici notre nouvel épisode du rendez-vous du vendredi, enregistré avec cette très très belle chanson, Od Yavo Shalom Aleinu, que vienne la paix et la paix du Shabbat sur vous, sur nous, sur le monde entier. Shabbat Shalom.